Je dis pas, Homer c'est des dinosaures. Homer c'est des putains de dinosaures. Des tricératops, ce tricératops, elles sont en voie de disparition. Yo les gens, salut à tous et assalamu alaikum à tous mes frères et belles. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo en vidéo où je tenais tout simplement à vous parler de trois choses. Donc la première, vous parlez de la team RST. 4 membres de la team RST sont partis. Oui, 4 membres, ça fait pas trop, mais bon, c'est comme ça. Je vais vous citer les blazes et vous citer les blazes pour laquelle ils sont partis, d'accord. La quatrième chose, de vous faire part justement du recrutement. Nous, de notre côté, maintenant, on recherche 3 personnes, d'accord. À l'heure où je vous parle, nous sommes actuellement 6. Les 6 personnes, je vais vous les citer maintenant. RST Burger, RST Brandon, RST Bruncher et RST, bien sûr, moi-même. Donc, on est 6 membres de la team RST, plus 3 personnes, ça fera 4, d'accord. Je vais vous expliquer comment faire pour rentrer dans la team RST, d'accord. Soyez bien compte, parce que ça va être vraiment très compte, d'accord. Revenons maintenant, en ce qui concerne les 4 personnes qui sont parties de la team RST. Donc 4 joueurs. Il y a certains que vous allez connaître, d'autres que vous allez connaître. Enfin bref, je vais vous citer. RSC Diamel. Ouais, c'est Diamel 31, je pense que vous le connaissez tous. La personne justement qui m'a accompagné pendant longuement avec Mohamed Mera à l'époque. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour les anciens. Si, ouais, non, on a oublié. Si, ouais, non, on a oublié. Enfin bref. La deuxième personne, RSC Youssef. Je pense que cette personne, vous la connaissez. Il était récent dans la team, il était tout récent dans la team RSA, donc normal que vous le connaissiez. La troisième personne, RST JB, je pense que lui, vous le connaissez quand même pas. Il est quand même pas mal accompagné avec Mohamed Mera pendant mes lives. Et la quatrième personne, RST Sarah, je pense que Sarah, vous la connaissez tous. De toute façon, c'était la seule fille de la... De la team RST. Et puis voilà. Les raisons, elles sont super simples, aussi simples que bon. Oh, d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jamel, Sarah et JB, ils étaient très actifs par rapport à la team. Et justement, par rapport qu'ils soient actifs, ils ne pouvaient pas rester dans la team à tenir la chandelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas moi qui les ai virés, c'est pas moi qui les ai dit bon, vous dégagez. Très loin de là. Ils se sont justement. Parlé entre eux, tels comme des adultes, ils se sont parlé entre eux, ils ont pris un choix. Ce choix-là, justement, c'est de partir dans la team RST. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, c'est que justement, c'est moi qui les ai virés, c'est moi qui les ai dit bon, vous dégagez. Donc, c'est normal qu'ils soient partis de leur côté. Et puis, par rapport à ça, j'aimerais quand même leur passer un message. J'aimerais vous passer maintenant un message à la team SYD, Jamel, Youssef, Sarah, IJB. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une team, moi j'en parle à connaissance de cause, c'est qu'une team, c'est comme tout, c'est comme une nouvelle amitié, c'est comme sa première copine, c'est comme une nouvelle copine, c'est qu'on s'entend bien, tiens, nouvelle rêve, et aussi de me rendre utile. C'est un message que j'aimerais vous faire passer. Et ça, c'est-à-dire pendant tout ce temps que vous m'avez accompagné, c'était comme si j'ai rien fait pour vous, et c'était comme si vous n'avez rien fait pour moi aussi. Vous vous êtes pas rendu utile envers moi. Et je vous en remercie pas. Je souhaite pendant ce trajet que vous tombiez pas sur des bonnes personnes. Ça, j'y tiens vraiment beaucoup. Et puis, faites pas attention qui vous côtoyez. Et puis voilà. D'accord. Vraiment pas bon vent à vous. Vraiment, accrochez-vous pas. Et puis, n'oubliez pas, c'est toujours beau au début. Le plus dur, c'est au début, dans la continuité. Dans le long terme. En ce qui concerne maintenant le recrutement, ça va être super simple, écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous recherchons 2 personnes, 2 garçons, 2 filles, 2 garçons. Nous sommes uniquement sur la plateforme PS4 et PC, donc PS4 uniquement pour Call of Duty 4 et IW, et PC bien sûr pour Call of Duty 4 et IW. Et les choix, ça sera moi qui les fera, parce que là je vais prendre vraiment mes responsabilités. Quand je choisirai les 3 personnes, bien sûr, je demanderai un peu les avis aux autres. Là, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi, toi? J'ai perdu mon père. Ton papa? Ouais, il est mort. Oh là là là, l'eau. Il est mort, il est mort. Hein? Il est mort quand? Qui? Ton papa. Qui? Ton papa. Il est mort quand? Hein, quand? Il est mort, il est mort. Il est mort quand? Il est mort, il est mort. Qui? Ton papa.
Il est mort. Ça fait combien de temps? J'ai dit il est mort. Mais je sais qu'il est mort. Ça va être grave. Waouh. Le matin pour demander crédit. Moi, je... Non. Go. Tu recommences. Sans moi. Tu recommences. Sans moi. Tu recommences. Tu recommences, Wabeyi. Tu n'as rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Absolument rien à foutre. Tu as Wabeyi. Il est pas Wabeyi. Laisse-moi tel que je suis là. Ah, ton gros front à l'aide. Non, moi c'est un individu là. Qui est individu? Donc voilà. Donc moi la seule chose que j'ai à vous dire c'est... D'accord? À vous de jouer maintenant. Nous on se retrouve ce soir à 18h plus 22h. Et puis bah... Ouais, et puis voilà. Voilà, oui, bien. Ouais, et puis voilà. Allez, les frères, prenez soin de vous. Et puis, pour finir cette vidéo-là, encore un petit dernier message à la SYD. Je peux crever tranquille. Allez, je vois, ici, merde. Working.